Une nouvelle preview The Big Gameowski. Hihi. Pourquoi je suis autant en joie? Eh, parce que je suis tout nouveau, je suis tout beau. Eh oui, maintenant je suis un robot. Dans The Big Gameowski aujourd'hui, Monsieur K va être Haiku, le robot qui aime le coup. Ouais, ok. Et on va découvrir cette preview ensemble. Qu'est-ce que ce jeu? Vous allez vite comprendre ce qu'est Haiku. Drama. Oui, comme promis, je vais vous le faire voir. Je suis beau, je suis un robot. Je suis Haiku, le robot qui aime le coup. Beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est très très minimaliste. Oui, 8-bit stylus de retour. Une palette de couleurs volontairement très réduite. Le démarrage va vous faire peut-être un petit peu bizarre, mais vous allez reconnaître le style de jeu puisqu'on est dans un univers où on se balade, on saute de plateforme en plateforme, et en plus on tatane. Et en plus on ne sait pas où on va, et je peux même faire des slide pass. Brouf. Et en fait je vais me retrouver dans un espace où... Oui, dans les vieux restes, où je vais faire ma vie et découvrir le tableau et avoir des zones qui vont être verrouillées. Et donc devoir passer du temps à trouver comment déverrouiller ces zones. Oui, c'est un Metroidvania, un de plus. Mais il a son charme, il a son style, et ça pourrait plaire. Je vais éviter de me friter avec tout le monde, hein, ça sert pas à grand chose. Alors ici la monnaie c'est les boulons, les engrenages, etc. Les sacro-saintes parties cachées bien entendu. Un inter. Pourquoi faire? Chut. Vous voulez pas savoir. Ah, je vais où moi? Il me plaît. Oui mais je ne saute pas assez haut. J'aurais peut-être dû crier plus fort. Attendez, on va la refaire. Une clé! Non, ça ne marche pas, ok. J'ai bien tenté quand même. Beaucoup de volonté. Alors, petite spécification que j'ai manqué de vous préciser. On est en bêta, hein. C'est une pré-version. Donc, il y aura peut-être des trucs en plus hein, dans la version finale. Il y aura des trucs en moins, peut-être aussi. D'accord, le right button. Mais là j'en ai pas trop besoin, je suis au taquet les gars. Alors je cherche les fonctions, tiens, tant qu'à faire, item, ok. Zut. Reviens. Comment je bouge là-haut? Ah, c'est les triggers. Chips. Donc ça, bah ça, c'est probablement un arbre de compétences qui nous tend les bras pour plus tard. Et la sacro-sainte carte, nom de Zeus! Regardez-moi tout ce qu'on a pour se perdre. Et tout ce qu'on a à explorer. Petit tissu à droite, on y va. Alors, c'est pas le ton de la joie totale hein, que j'ai aujourd'hui, parce que, oui, les Metroidvania, on en a bouffé depuis le temps, les amis. Mais
celui-là, je me suis arrêté dessus quand même parce que je sais pas, je l'aime bien. Il a un petit, je ne sais quoi. Si, je sais très bien ce qu'il a. Je sais très très bien ce qu'il a. Il est joli. Alors je peux. On va essayer le truc avec le bouton comme il m'a dit tout à l'heure. Ah oui, je récupère ma vie en passant mes boulons. Ok, understood. Understood, understood. The concept of love. Non, ça c'est un autre joli. Hein. On y va, c'est pas dangereux. Salut. Tu n'as pas l'air possédé comme les autres machines. Mais ça va pas prendre longtemps. Alors, il y a le bordel dans les programmes des machines, c'est pour ça qu'elles deviennent toutes folles. Et il y en a une qui a pété ma carte. Ça veut dire qu'il devrait y en avoir une autre pas trop loin. Ok, donc il faut que je trouve une carte. Ok. Bah, j'en ai une, je pourrais te la prêter, mais non, je te la prête pas, c'est... On prête pas ces affaires. Oh là là, je suis pas bon là, dites donc. Deux fails déjà. Alors, il n'y a pas le double jump. Mais peut-être que ça se débloquera au fil de l'aventure, j'en sais rien. Merde, il y a un truc là-haut. Ouais. Je peux pas m'accrocher aux parois. Non, j'ai fantasmé ça. Je l'ai rêvé. Mais jamais je ne pourrai le toucher, au grand jamais. Une clé, il te faudra, jeune padawan. Mais non, je ne suis pas un padawan. Je suis Aiku, le robot qui aime. Le coup. Alors, je me demande si le bruit de... Les bruitages vont pas lasser au bout d'un moment. C'est ma grande question du moment. Ah! Alors le saut, c'est, il fait partie de ces jeux où le saut, en fait, vous appuyez un petit peu, c'est, tout dépend de la durée, quoi, de votre pression sur le bouton de saut. Le bouton de saut. Ouais, me battre, c'est pas trop mon trip, moi je suis un vrai hippie. Une key! Oh yes! It's mine now! Elle était où cette serrure? En bas? Non, je sais pas, on y va, on va aller voir. Y'a quoi là? Je suis déjà passé ici, non? Ouais. Oui, je me fouette plus avec les gens, je vous l'ai dit. Je suis un paisible, je suis un zen. Des platformers, des Metroid-like, j'en ai tellement fait. Non, on va pas se friter pour ça, les gars! Si, vous y tenez? Ah, oh, ok. Bah j'y vais, j'ai pas que ça à faire. Oui. Oh mais quelle nouille, sérieux. Je vais me réparer encore avec mon trigger. Il est où? Je me répare. Alors c'est bien pratique cette fonction pour les gens qui sont un peu comme moi, mauvais. Vous avez entendu le mot mauvais? Mais non, pas du tout, je suis... Hey cool, le robot qui aime le... Coup. Elle était où cette serrure? Je me rappelle plus. Ouais. Elle était pas là, ok. Je me suis gouré à force de dire des conneries. Et du coup, platch. On peut regarder sur la map, hein, on payera pas. Il n'indique pas la clé, ce con. Salaud. Je crois que c'était tout en bas. Là, c'était le mec qui voulait sa carte. Et j'étais en train de dire quoi? Oui, je suis là, cool, robot qui aime le coup, beaucoup. Mais pas le cochonou. Et ouais, ça doit être par là. Ouais. Mais oui, je disais oui, pour la jouabilité, c'est pas mal trouvé cette histoire de pouvoir se réparer soi-même pour les gens qui sont un peu boulés. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'être un dieu, quoi. De la plateforme en particulier. Et là, c'est une version d'évaluation, donc c'est soft. C'est jouable pour pas faire peur aux kidons moyens. Mais nul doute que, au fil de l'aventure. Merci, c'est pas gentil ça. Ça va vraiment se corser. J'avais pas vu ces trucs qui descendent du plafond. C'est quoi? On dirait un perchoir. Bah ouais, mais on fait quoi? On s'embrasse.
Et... merde, c'était pas la bonne. Essaye, insiste. Oui, il faut vraiment garder appuyé longtemps. Hein. Non, il change de sens. Allez, si je fais ça, je vais essayer d'en faire poser un sur le perchoir. Oui, c'est mon nouveau but dans la vie. En frappant des choses volantes, je suis convaincu que je pourrais les faire se poser sur un perchoir. Because I'm genius. Je pourrais être producteur de Björk, quoi. Bon, ça marchera jamais, mon truc. On y va. Ah, je voulais. En tout cas, Iku, il m'a tapé dans l'œil. Parce que je le trouve assez sympathique, ce truc. Merde, c'est incassable, ça. Et pour un petit Metroid-like qui paye pas de mine et sorti de nulle part, hein, je sais pas de... je connais pas l'équipe de dev qui a fait ça. Pas encore, perso, quoi. On n'a pas encore été au resto. Ils ont pas la passe. Et il y a un truc bizarre là-haut. Hein. Il a un charme. Il a un charme, ce petit jeu. Donc, je trouve sympa de lui laisser sa chance. Oh. Look at this. Map updated. D'accord, c'était un brouilleur de map. Je peux accéder directement avec la gâchette gauche. Magnifique, les amis, magnifique. De toute beauté. Alors, il y a des vendeurs aussi, il faudrait que j'en trouve un, tiens, ça serait sympa. Et il y a le train, ça doit être pour changer de zone, peut-être. Je sais pas, on verra. Mais voilà, vous voyez bien que le jeu est pas dénué de charme, effectivement. C'est du très classique, mais c'est exactement ce qu'on demande. Donc, moi content. Car moi, Haiku... Haiku aime beaucoup. Aime beaucoup quoi? Aime beaucoup coup. Ça m'apprendra à dire des conneries. Est-ce que j'aurais pas un saut qui... d'une paroi à l'autre... Putain, ça me manque vraiment, ça. Parce que là... non, c'est trop bague, hein. C'est trop baga. Donc probablement que chez un vendeur habile et malin, je pourrais trouver ce qui me satisfera. La chute de ma vie. Oh, j'aurais pu prendre ce bonus là. Je vais pas y retourner les gars, je vous le dis tout de suite. J'ai pas pu piger le passage à droite là. Où il y a le levier. Parce qu'il faut l'aborder par l'autre côté. Et l'autre côté, je sais pas comment y aller. Voilà, tout est dit. Et on n'a pas visité ici. Est-ce que je me requinque? Qu'est-ce que quoi? Bonjour, je suis Haiku et j'aime beaucoup le coup. D'accord, le train. Et il y a même un magasin dans ce train. Ok, c'est la vendeuse du coin. Use near to summon mechanical bird. Ça peut être bien ça. De toute façon, ça, je peux pas. Et alors ça, dans mes rêves. Vendu. Et comment je l'appelle, lui? Avec une touche, probablement. Laquelle? Surprise. Au revoir, madame. Merci. Je suis Haiku et je vous aime beaucoup. Non, ça ne descend pas. Je l'ai fantasmé, ça. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Et il y a le train aussi, alors. Ok, faut peut-être pas que je reste sur les rails. Donc une fois qu'on a fini un niveau, j'imagine que c'est par le train qu'on doit pouvoir partir. Et moi du coup, je sais pas trop où je dois aller. Assis en bas à droite, ou alors tout en haut, j'avais pas fait, mais c'était le début, c'est débile. Le début, débile. Oui, il y a une logique quelque part. Mais le jeu a peut-être des raisons de me faire cavaler et aller venir dans tous les sens. Bon, on va s'attaquer un problème après l'autre. Je vais essayer la salle que j'ai pas essayée, sur le même niveau que moi, là, au milieu. Oui, ils sont allés fourrer une clé là-bas au milieu, c'est obligé. Ça le sent. T'es sûr que tu veux pas te... ou me laisser passer à travers? Alors on peut pas faire dash quand on saute, ça c'est bizarre. Merde! Il est temps de se requinquer. C'est pas mal le système quand même de se remettre la life parce que ça prend sur votre monnaie. C'est la monnaie dont vous vous servirez dans le shop pour être plus puissant, plus fort, plus ce que vous voulez. Et du coup, ça peut être très amusant. Je me rappelle même plus si je suis allé en bas, moi. Oui, j'ai dû y aller. Mais je vais quand même vérifier. Because I am curious, et il y a plein de joaillerie.
Et vu que c'est la monnaie du jeu, autant en profiter. Niaf, 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 niaf. Et on va rien laisser pour les autres. Rien du tout. Alors, il doit y avoir des coups spéciaux qui doivent finir par se débloquer, j'imagine, parce que ça va être un poil répétitif, là. Un truc caché. Nix. Oui, pas de répit pour les pas gentils. Qu'est-ce que je fous là, moi? Et le principe du Metroidvania, du coup, est vachement bien respecté, parce que regardez, je suis égaré, je sais déjà plus où je suis, alors qu'on est qu'au début du jeu. Ou de cette partie, j'en sais rien. Hop, hop, hop! Bande de sauvageons, voilà. Je suis pas obligé de buter tout le monde. Oui, mais j'aime taper. Ça ne changera jamais. Oh, dans ma gueule, celui-là, je l'ai pris, mais comme un... Mais il y avait une évidence, quoi, une naïveté. Et moi, j'étais dans l'ignorance encore. Et j'ai voulu. Et ça n'a pas été une riche idée. Ça passe. Oh putain, mais arrête d'être con. Oui, on va se requinquer parce que là, je suis boum boum. Oui, vous entendez, c'est mon petit cœur. Oh, je suis mort parce que je me suis gouré avec le truc pour faire un dash. Quelle loose. On y va, on trace. Speedrun avec Monsieur Kai. Wouhouhou! C'est parti. Alors, les ennemis ne repotent pas. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle, dites donc. On va en profiter quand même. Parce que ça serait moche de, bah, d'être venu là et puis de dire tiens, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Bah, je sais pas, et toi? Je tape sur des robots. Et c'est pas numéro 1. Non, 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 non. Les vieux, restez chez vous. Qu'est-ce que quoi ça? Salut! Copain! Oh là, pas copain! Je suis Aiku! Et j'aime le coup! Hop hop hop! Hop hop! Attends doucement! Les affaires, tout ça, on t'a pas dit? On t'a pas dit. Il a pas été briefé. Le gars, il a pas été briefé là, c'est pas cool. Faut bien penser à dasher, hein, les amis, parce que sinon, ça peut être quand même assez gênant. On va rester à côté parce qu'il. Est susceptible, mais alors les dashs sont pas infinis, hein. Il y a une période, il y a un reload, il y a un cool time comme on dit, voilà. Donc on peut pas en enchaîner 10 000, deux max, et encore si vous êtes sage, parce qu'il risque de s'énerver là. Hop, deux, voilà. Pour l'instant ça va, comme boss le plus dur du monde j'ai vu pire. Ah putain 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 putain. Pas bouger, pas bouger. Si, bouge. Pas bouger, pas bouger. Bouge. Je vais lui défoncer la Zamat. Ah, j'en ai pris un dans la tronche. Bouge. Hop, hop, hop. Boulon, boulon, boulon. Je vais me requinquer. Il faut que j'arrête de me tromper de gâchette. Ce serait moins moche que ce que je viens de faire préalablement. Au taquet. Alors ce haïku, il vous plaît pas? Il vous plaît pou? Un magnet of death. Le grand aimant. Ah, je peux enfin m'accrocher au mur. Donc oui, c'est bien le principe du Metroid. Hein, puisque, hop là, voilà, double jump un peu. Bon, ok. Pas très communicatif, mais je fais ma vie. Hein, je survivrai anyway. J'aurais préféré le double jump quand même, hein, les gars. Je veux pas faire le mec qui fait la fine bouche, mais quand même. Vas-y, Sauvegarde.
Oh, je me serais fait remettre tous mes points de vie si j'avais été jusque là avant que ça parte en sucesse. Oh, qu'est-ce que vous avez tous avec Super Meat Boy, les gars, là, faut arrêter un peu. Je vais voir s'il n'y a pas un truc là-haut, des fois. Ah, c'est jouable, mais c'est pas jouable aussi. Si, c'est jouable. Gnou, 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 gnou. Ouais, non, mais ne tombe pas, c'est mieux. Alors, on va aller là-bas, gentiment. Hein, finalement, c'est pas plus mal, j'aurai le double jump un jour. Je suis à écoute, j'ai appris à prendre mon temps. Et à pas, ne pas. Je serais pas en train de remonter au départ. Si. Alors, il y a une limite quand même dans la façon dont il saute. Voilà, faut vraiment la faire à la Super Meat Boy. On va pas être potes. Non, je le dis tout de suite, ça c'est en clair. Blaouche. On est déjà passé là. Et bien sûr qu'on est passé, regardez la carte. Zip. Ok. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je revienne sur mes pas? Peut-être, pas sûr. Il faudrait faire la salle du milieu, j'avais dit tout à l'heure, ce serait bien. Maintenant, dire c'est une chose, faire c'est mieux. Elle est où cette salle? Faut que je me gourde en branchement. On redescend tout là. Ok. Salut, je suis IQ et j'aime le. Ah bah non, je peux plus le dire. Je vérifie sur ma map hein, que je fais pas une énorme connerie encore. Parce que je suis assez spécialiste. Tout droit! Où ça? Tout droit en pied. Tout droit à droite ou tout droit en face? Ah mais là c'est plus droit, regarde, ça a redescendu. Et là c'est... Voilà. Non? Ok. Oh! Prendre des gens pour des cons? Oui, je peux. Et maintenant je peux m'accrocher, bande de nouilles. Oh, jouaille! C'est rigolo ces ennemis qui rebondissent dans les couloirs. Et que fais-je là? Quel est ce blob visqueux et palpitant? Ah, un boss encore! Maman, maman, maman! Oh putain, ça commence bien. Putain. Oui, ça me rappelle Pong, un bon vieux jeu d'arcade des années 80. Oh, arrête-toi, je vais être flood là. Non. Oh, je vais crever. Parce qu'on n'a pas le temps de charger. Ah, bordel. Arg. Oh, c'est trop tenté quand même. Merde. Faut vraiment rester dans le rythme. T'es mort. Maledictis, confutatis et soupe de écrevisse. Ouais. Et du coup, il me remet là. C'est pas très gentil. Ah, mais il est mort en plus. Je suis dégoûté. Non, mais je vais continuer là parce que ça m'a dégoûté total. Alors, le jeu m'a fait crever, alors que c'était le boss qui était en face de crever avant moi.
Et j'ai dû me recoltiner toute la traversée du tableau. Si ça, c'est pas dégueulasse. Un fragment de flasque. Oui, c'est ma mission principale. Et cette grosse disqueuse? Non, c'est un plateau de disque dur. Ils connaissent rien, les gens. Bon, tout ça pour ça, je suis quand même vachement triste. Je me suis donné beaucoup de peine, beaucoup de mal. J'ai pas été en bas du tuyau où il y a le cœur là-bas, on va essayer. Donc l'objectif, redescendre tout en bas. Et que je tire pas de plus, toi. Si je retourne le voir, lui, est-ce que ça change quelque chose? Il n'y a plus personne. Voilà, les mecs, on leur dit un truc, voilà, ils partent. Y a pas de passage ici. Je ramasse parce que je suis pingre. Oui, un boulon, c'est un boulon. J'ai appris ça avec Ratchet et Clang. On va pas changer, hein. Clé utilisée. Ok. Et je suis donc tout en bas? Non, pas encore. J'ai pas été en voir en dessous, il me semble. J'ai dû y aller, mais j'ai pas exploré pareil. J'ai pas désactivé le brouilleur, donc je suis ennuyé. Dans une zone où je peux pas rester. Je peux pas rester puisque je brûle instantanément. En tout cas, soyez le coup qui aime beaucoup le coup. Et bah, je vous laisse le découvrir par vous-même. Un petit Metroidvania que je trouve vraiment très sympatoche. Qui est en pré-version. Qui devrait se peaufiner d'ici sa sortie, je pense. Parce que regardez, il y a des petites options comme ça qui vont permettre de peut-être améliorer notre bestiole. Notre robot. Et lui permettre de répondre aux attentes du joueur. Moi j'en ai entendu un par exemple qui demandait un double jump depuis tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Ouais. Donc Haiku, gentil petit robot, tout mignon et tout. Ah, on va t'adopter toi, parce que ça fait plaisir. Faut voir la longueur totale du jeu au final, s'il y aura beaucoup de tableaux à explorer, ce qu'on lui espère. Mais niveau maniabilité, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Donc à suivre. Playlist, playlist, bouton d'abo. Moi je m'enfuis aussi. Par ce tuyau? Ouais, par ce tuyau. Doucement.